Coucou mes bichettes, j'espère que tout va bien chez vous. Alors je pense que vous ne m'en voudrez pas si vous voyez ce cheveu huileux plein de soins parce que là je vais me les laver juste après. Et je m'étais dit, tiens, si je me lavais, que je faisais la vidéo propre avec des beaux cheveux et tout. Ben non, on va le faire crade puisqu'en plus vous me connaissez, donc vous êtes habitués. En plus j'ai un t-shirt avec des taches, un sweat, bon, la grande classe, la crasseuse dans toute sa splendeur. Je vous retrouve juste parce que j'ai commandé des petites choses et j'ai reçu deux sacs en partenariat. Donc c'est la facteuse quoi. On va commencer sur Zalando, c'était encore les soldes. Il y a toujours des soldes en fait sur Zalando. Et je me suis pris une petite casquette, j'ai fait un petit tri dans mes casquettes. Mais bien sûr, ce n'est pas une excuse. C'est juste parce que je la trouvais magnifique. J'ai pris, et là vous me direz, ben ouais, c'est tout à fait toi. Une casquette Guess, oh punaise. Ah oui d'accord, ça brille sévère quoi. Ok d'accord, elle était à 29,90 au lieu de je sais plus combien, un peu plus. C'est une taille, c'est voilà, Guess, machin. Est-ce que vous voyez... Oh là là. Est-ce que je crois que je pourrais nettoyer l'objectif avant de filmer? Non, bah non, bien sûr que non. Et je me suis dit que noir, ça pourrait être pas mal. J'aurais peut-être dû la mettre pour cacher la misère. Non, c'est mieux si on voit la misère. En plus, on dirait que j'ai une mèche comme en CM2. Nous, on faisait des mèches comme ça. Tu sais, on mettait plein de gel, on faisait ça comme ça. Et on arrivait comme ça à l'école. Ah ouais, sauvé par le gong. Je vais rester comme ça. Hug, bien sûr, 98€ au lieu de 229. Donc là, j'aime autant te dire que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai fait très noir, vous allez voir, j'ai fait très noir. Deviendrais-je raisonnable? Je ne pense pas. J'ai des Hugs Swarovski que j'avais rachetés en seconde main sur eBay, et qui étaient déjà chers à l'époque, et je les ai trouvés. Oui, oui, c'est ma deuxième paire que je trouve, je les ai trouvés là. Je vous montrerai une photo. Je les ai gardés pour aller quand je vais promener Sweetie, etc. Mais je pense qu'elles feront plus en feu. En plus, j'ai les Swarovski qui se barrent depuis le temps. Ça doit faire 4-5 ans que je les ai. Donc j'ai pris... Bon, c'est pas du Swarovski, ça. Enfin, je pense... Non, je pense pas. Non, non, c'est juste du... Voilà, donc c'est celles-ci. Voilà, elles sont comme ça derrière. Voilà, avec les petits strass. Les petits strass se brillent. Hein. Il y a certains petits... Ceux-là, notamment, qui brillent. Et donc j'ai pris un 38. Et alors là, je me suis dit 98 au lieu de 229. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Foncez sur Zalando, il en reste encore des soldes. Oh, j'ai une tête. Alors moi, je pars une journée en Angleterre, je mets 3 jours à m'en remettre. Hein. Donc voilà pour les petites hugs. Tout ça, ça vient de chez Zalando. On va passer à eBay quand même un petit peu. Oui, pour changer. Zalando, je te jure, je crois qu'ils vont m'offrir une carte de membre. J'ai fait une enchère à 2,50€ et je l'ai eu. Donc j'ai payé plus d'envoi là-dessus. C'est des Clarks. C'est des... Parce que j'avais eu comme ça des babies avec ça, là, justement. Et moi, je trouve que ça tient bien. Bon, alors en fait, ça ressemble pas vraiment à des babies au final. Donc le talon, il est comme ça. Un petit peu comme ça. Et comme ça. Donc en fait, comment te dire qu'il est un peu merdique le talon. Et du coup, on dirait que je marche sur des œufs. Je pense que c'est pour ça que la personne les vendait. C'est quand même la marque Clark. C'est quand même une bonne marque. C'est elle a pas dû les mettre souvent la fille. Bon, je me dis que ça peut être pas mal. En plus, t'as une petite plateforme, donc ce qui t'enlève un petit peu de hauteur. Mais bon, je me dis oh c'est aller pour faire un petit resto, etc. Oui, je vais souvent au resto, ça tombe bien. Mais bon, je crois qu'en tout, j'en ai même pas pour 10€, quoi. Donc, et l'avant, il est un petit peu carré, comme ça. Un petit peu, non, il est carré. Donc, impeccable, impeccable. Je mets des fois une enchère comme ça et je gagne. J'ai recontacté le site Lucky Find. Vous savez qu'on a souvent travaillé ensemble. Et je leur ai demandé si on pouvait repartenariser. Ils m'ont dit, oui, choisissez des sacs à main. Parce qu'ils ont leur site. Enfin, non, ils ont... si, ils sont sur Amazon. C'est Joseco, comme ça. Le site. Et ça fait partie d'Amazon, je sais pas trop quoi. Bon, bref. En plus, vous avez un code promo de 15%. J'avais sélectionné des sacs et il n'y en avait aucun qui était dispo. Donc, bah, je voulais leur dire, bon, bah non, laissez tomber, etc. J'avais vu un beau sac, vous savez, les sacs ronds, là, en espèce de rotin pour l'été, tout ça. Mais magnifique, ils ont des sacs magnifiques, là, sur Joseco. Et il n'y avait pas. Donc, bon, ils m'ont donné 3 possibilités de choix. Donc, j'ai pris 2 trucs. Mais comme je n'étais pas convaincue, je les ai choisis pour mes copines. Donc, premier sac, parce que ça, je sais qu'elle aime bien les petits sacs comme ça. Et franchement, il est vraiment beau. Donc, la couleur, ils appellent ça kaki. Je vous mets tout en barre d'infos, les liens des sacs et puis le petit code promo. Et je l'ai pris pour ma copine Marjorie. Donc, voilà. Il est mignon. Hein. Franchement, il est mignon comme tout. En plus, regarde, tout se ferme. Oh, elle va être contente parce que... Regarde, tu peux ouvrir les pressions, d'accord, et ben ça te fait encore plus d'espace. Nickel, il y a plein de poches derrière. Tu as une poche, tu peux le porter main, tu peux le porter comme ça, tu vois. Et je pense que tu peux le porter aussi épaule. En fait, tu peux le porter multi-position, quoi.
Et je lui ai montré quand même, je lui ai dit, attends, je vais filmer, mais je te le donnerai. Elle me dit, oh, il est trop mignon. Et c'est vrai qu'il est vraiment mignon. Il est vraiment mignon. Peut-être qu'un jour, je me le reprendrai pour moi. Mais moi, ils m'en ont déjà offert tellement Lucky Fine. Et j'ai pris celui-ci pour ma copine Jamila. Donc voilà. Je l'ai pris. Alors, c'est rouge. Tu vois, ça s'ouvre là. Oh, le soleil qui nous joue des tours. Là. Une fois qu'il vient. Non. Ça, t'as l'impression. Voilà, là, c'est le devant, mais en fait, c'est une pression. Voilà. Et j'ai regardé à l'intérieur. Oui, alors, il y avait. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça avec. Petits hop 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 que tu dois pouvoir attacher là fatalement. Bah d'ailleurs je vais lui mettre à Jamila. Et alors l'intérieur c'est marrant, mais c'est molletonné, enfin les parois du sac, je sais pas comment t'expliquer ça, les parois du sac là c'est hyper épais en fait, je sais pas comment t'expliquer, tu vois là il y a une poche à l'intérieur et ça c'est hyper épais en fait, on dirait un truc à mémoire de forme. Donc là, c'est pareil. Hein. À l'intérieur, tu as plein de poches. Il y avait 5 couleurs différentes. Et alors, le truc, c'est que tu peux le porter comme ça. Ou bien tu peux tirer, regarde, hop, hop, et le porter en sac à dos. Tu vois, en fait, sur ce site, c'est vrai qu'ils ont toujours ce truc multiposition-là. Tous leurs sacs, quasiment, tu peux le porter épaule, main et sac à dos. Quasiment tous sur ce site-là. Et là, c'est pareil, vous avez 15%. Il y a une petite pochette là. Il y a une petite... il y a des pochettes partout en fait. Et je lui ai envoyé une photo à Jamila. Elle me dit, oh, il est trop mignon. C'est vrai qu'il est pas mal. Mais moi, j'en ai tellement. Et voilà, la marque Joseco. Donc, c'est Lucky Fine. Mais c'est leur page, c'est Joseco. Leur site. Parce qu'ils se... ils ont des branches. Et pour finir... oh, mais c'est pas que je suis blanche. On dirait que je suis verte. Oh là là, je suis un peu fatiguée. Hein. Puis c'est ça de pas sortir. Parce que ici, oui, voilà, il y a le soleil là. Mais en fait, il neigeait ce matin. C'est la tempête, laisse tomber. Je suis à deux doigts de m'envoler à chaque fois que je sors. Donc en fait, j'ai passé 15 jours quasiment ici à... enfin, peut-être... ouais, pas tout à fait 15 jours. Mais j'ai passé toutes mes vacances à rester à la plage. Et je suis même pas sortie dehors quasiment. Enfin, sortie dehors. Je suis même pas allée dehors. Donc en fait, j'ai lu. Voilà, j'ai lu. J'ai regardé la télé. Et j'ai fait des lives, mais là, j'en ai pas fait cette semaine. Je voulais en faire un pour tester du nouveau make-up, mais tu vois, aujourd'hui, j'avais même pas envie de me maquiller. C'est vrai que j'ai pas bonne mine, là, du coup, fatalement. Oh, bah, Zalando toujours, hein, évidemment. Hein. Je cherchais dans les vieilles marques. Enfin, les vieilles marques. Et alors là, c'est pareil, 20 euros, je crois, au lieu de 60. Ah, vraiment, il y a toujours des soldes très intéressants. Donc, j'ai trouvé un petit sweat. Enfin, un petit sweat. Non, je l'ai pris en grand, je l'ai pris en L, Benetton. Donc ça c'est... bon, à capuche, j'aime moins les suites à capuche, mais bon, peu importe. Je l'ai pris à capuche, puis je l'ai pris noir, parce que je me suis dit au moins, il y avait rouge, ou je sais pas quoi, mais je me suis dit au moins, il a l'air vachement large. Il a pas l'air haut, mais il est bien large. Donc voilà, pour ça, 29,90 je crois, au lieu de 60. Benetton, c'est assez cher. Par contre, là, à l'intérieur, je sens que le molleton, oui, je sens que le molleton, il est vraiment bien molleton. Ça sur Zalando. Et alors, ça c'est très très fin. Je l'ai eu dans un des stocks de marque ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, c'est un Lee. Mais alors, Lee ou Lee Cooper, c'est bizarre parce que là, c'est écrit juste Lee. Est-ce que c'est une branche? Parce qu'en plus, Lee Cooper, ça s'écrit exactement comme ça. Ou bien est-ce que Lee Cooper, c'est spécialement jeans et Lee, c'est tous les vêtements? Tous les autres vêtements? Donc, c'était 20 euros. Alors, je ne sais pas combien il est d'habitude. Là, c'est vraiment écrit Lee partout, quoi. Pas Lee Cooper. Donc voilà, là il était en M et par contre ça c'est pas vraiment du molleton, tu vois, c'est très très léger. Mais moi même l'été j'aime porter des trucs, en fait j'aime pas quand être trop exposée, tu vois. Des fois on me dit ouais mais genre en gros que j'ai un beau corps, enfin que je le montre jamais, que je mets toujours du XXL et que je le cache. Mais en fait c'est pas du tout ça, c'est que j'ai pas envie ni de le cacher ni de le montrer, je m'en fous. C'est que j'ai juste envie d'être à l'aise, donc moi j'ai toujours des trucs XXL mais en fait pour être à l'aise et du molleton. Tu vois, des vieilles Birkenstock d'il y a 1000 ans. Mais en fait, j'ai juste envie d'être à l'aise. Donc, c'est vrai que des fois, j'achète des trucs moulants, courts, machin. Et je me dis, mais Caro, des blazers et tout. C'est pour ça que tout ce qui est jupe, blazer, machin, etc. J'essaie maintenant de les prendre la plupart du temps en brocante. Parce que moi, je me dis, si je ne les mets pas, ça m'aura coûté 2-3 euros. Quoi. Parce que c'est vrai que ce que je porte le plus souvent, bah, c'est ça, c'est du molleton. Et donc, j'ai trouvé que le design, il faisait... déjà, j'aimais bien la couleur. Rose comme ça, en espèce de relief sur du violet. Et puis, je trouvais que ça faisait un peu vieux design. Je sais pas ce que vous en pensez. 20 euros. Donc, j'ai pris hier, ça, quand j'allais me balader. J'allais chercher mon sweat, justement, au relais colis. Je passe, je m'arrête au déstock de marque, là, à Berck. Et voilà. Non, à Merlimont. Et voilà, dans le 62, si ça intéresse quelqu'un. Donc, il y a le même magasin au Touquet. Voilà. Bon, bah écoutez, les filles, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets le code de Lucky Fine Joseco, là, en barre d'infos. Et je vais peut-être aller me laver les cheveux. This is the rhythm of the night.
Ah, puis on faisait ça aussi, parce qu'on faisait les deux côtés. Puis on croyait trop qu'on était en place, ça faisait tout plein de gel comme ça quand on était en CM2. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je serai peut-être un peu mieux maquillée. J'essaie de vous faire un live demain, peut-être, si c'est possible, les filles. Là, je suis en train de nettoyer l'appart des vacances. Il me reste plus que 2-3 trucs à nettoyer. Je vais repartir demain matin. Donc, mais en fait, quand j'ai cette tête-là, vous savez pourquoi j'ai cette tête-là? Je vais vous expliquer. J'ai fait le tour de l'horloge il y a 2 nuits quand on est allé en Angleterre. Quasiment, on s'était levé à 4h du matin. Moi, je me suis couchée à 2h de l'autre matin. Hier soir à 10h, j'étais morte 22h. Sauf que cette ce matin, je me réveille une fois, deux fois, mais je sais pas, je referme les yeux, je dis oh, continue à dormir, continue à dormir. Sauf que je me suis réveillée à 9h du matin. Et ça, c'est pourrave pour moi. Si je suis pas levée à 6h, 6h moins le quart, même 5h, ça me tue ma journée. Parce que je dois relancer certainement un cycle de sommeil. Et je pense me réveiller dans le mauvais cycle. Je sais pas si ça vous parle. Je pense que quand je relance un cycle de sommeil, du coup, ça me casse les pattes pour toute la journée. Et là, j'ai redormi cet après-midi. Donc, tu vois, alors que des fois, quand je me lève à 5h du matin, je suis dans Tuno, Pampero, jusqu'à 23h. Donc, voilà, j'ai trop dormi. On se retrouve demain peut-être pour un live. Sinon, bah, très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles et les garçons.